Donc là, nous marchons sur le sable. Donc vous avez la jetée juste là-bas avec le parc d'attractions. Et on va tout simplement mettre les pieds dans l'eau, dans l'océan Pacifique. Ici, vous avez le poste de secours avec le maître nageur à l'intérieur, le lifeguard, comme on dit ici. Et donc c'est le métier que je fais également. Comme je vous l'ai dit, vous avez la jetée et derrière la jetée vous avez Venice Beach, la fameuse jetée avec le parc d'attractions qui est très connu. Et ça, c'est ce qu'on voit de la plage, donc c'est Santa Monica. Et vraiment, je vous le dis, on a eu un énorme coup de cœur pour Santa Monica, qui est vraiment une ville mais vraiment super super sympa, super belle, super, ouais, elle est vraiment très belle. En plus il y a la plage, c'est une ville qui est très propre, enfin bref, elle est... On a eu un gros coup de cœur pour cette ville. De l'autre côté, vous avez notamment la 3rd Street Promenade, d'où là on vient, tout simplement, où on a fait les magasins. Donc là, on va remonter et on va surtout se laver les pieds. Là, on va retourner sur la promenade, on va remonter la falaise. Et voilà, on va encore faire un petit peu les magasins. Et après, on retournera à la voiture pour aller à l'hôtel. Donc là, actuellement, il est 1h02 en France. Ici, je ne sais pas. Vraiment, on a eu un gros coup de cœur pour cette ville qui est vraiment super belle, super agréable, vraiment on adore. Et on va remonter tout là-haut par le biais de ce pont-là et des marches qui sont juste là pour retourner sur la promenade. J'espère que vous allez toujours bien, nous on va très bien. Il est 7h19 en Californie et 16h19 en France. Donc hier soir on n'a rien fait de spécial puisqu'on voulait se reposer avant aujourd'hui, puisque là nous sommes partis pour 4 heures de route direction Las Vegas et on a trop hâte d'y être, c'est juste hallucinant. Donc concernant Los Angeles, on te dit au revoir, on te dit à dans 3 jours. Donc comme je vous l'ai dit, on part pour 4 heures de route, donc on va arriver vers midi à peu près, enfin vers 11h, mais sachant qu'on va faire une pause sur la route et on va prendre de l'essence, on va manger, donc je pense qu'on va arriver vers midi. Donc voilà, donc sur ce, on vous retrouve là-bas à Las Vegas, à tout à l'heure.
d'arriver à Las Vegas, donc il est 11h28 et comme on a notre hôtel qu'à 15h, et bien là on va manger un truc et on va faire le magasin juste après, puisque là on est à Las Vegas Premium Outlets South, donc c'est celui du sud puisqu'il y en a un également au nord. Donc là on est au sud et donc c'est encore une fois des magasins dégriffés de grandes marques, et du coup on va faire les magasins puis on va manger un petit bout en attendant notre hôtel à 15h. Donc à tout à l'heure. Donc voici notre hôtel. Donc oui, on va séjourner dans cette pyramide pendant 3 nuits et j'ai hâte de rentrer à l'intérieur. Hey, donc je vous retrouve maintenant à l'hôtel, donc sur le lit qui est tellement confortable. Donc il s'est passé pas mal de petites choses depuis que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc nous étions tout à l'heure au centre commercial Premium Outlet qui est situé au sud de Las Vegas, par là je crois. Donc on a mangé là-bas et on voulait faire les boutiques après, donc malheureusement on n'a pas pu faire les boutiques parce que je me sentais pas du tout bien, puisque j'ai pas digéré ce qu'on a mangé. On a mangé des bretzel, mais ça avait pas du tout le goût de bretzel en fait, c'était justement tout simplement de la pâte feuilletée avec du chorizo dessus et du fromage. Mais quand on appuyait dessus, eh bien ça suintait de tous les côtés, donc c'est pour vous dire à quel point c'était gras. Et du coup, eh bien j'ai pas du tout digéré, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment pas du tout bien. Donc du coup on n'a pas fait de boutique, voilà, on n'a pas fait de boutique. Je me suis reposée un petit peu dans la voiture. Actuellement ça va mieux, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu barbouillée. C'est vrai que en plus de ça, bah, on est fatigué, clairement on est fatigué parce que ouais, on n'arrive pas à se régler, on est toujours un petit peu fatigué. Donc sinon après ça, donc nous sommes allés à l'hôtel pour voir si on pouvait quand même avoir notre chambre, et du coup on a quand même eu notre chambre avant 15h qui était l'heure prévue. Et donc on est monté dans la suite. Parce que oui, c'est une suite qui est vraiment vraiment très sympa. La vue est à couper le souffle. On est au 25e étage pour vous dire. Et l'hôtel est juste génial. C'est vraiment une ville dans cet hôtel. Et donc c'est un hôtel en forme de pyramide. Et c'est le seul hôtel en forme de pyramide à Las Vegas. C'est le Luxor. Bien évidemment, je vais vous présenter l'hôtel à l'extérieur mais aussi bien à l'intérieur. Je ne vais pas par contre vous présenter la partie casino parce que c'est une partie où on n'a pas le droit de filmer. Donc voilà, je ne vais rien vous montrer de cette partie là. Mais je vais vous présenter tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, je suis mes super super fans. Donc voilà, je disais donc qu'on a eu notre chambre plus tôt que prévu. On est monté dans la chambre pour voir à quoi elle ressemblait. On s'est reposé un petit peu et après on est allé chercher nos valises pour ensuite remonter. Et ça fait du chemin, voilà, depuis du parking, ensuite traverser tout l'hôtel pour ensuite monter les 25 étages, ça fait du chemin. Ça fait du sport, voilà. Mais en même temps, on mange pas très bien, donc... ça équilibre. donc bien évidemment je vais vous présenter la suite, pas tout de suite parce que le voyant de la caméra est encore en train de s'allumer, donc je vais attendre un petit peu que la batterie se recharge et je vous présente bien évidemment toute la suite qui est vraiment très 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 sympa. Et le lit est super 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 confortable, même les coussins et vraiment top, et la vue est à couper le souffle, clairement elle est à couper le souffle. Je vais absolument vous la présenter, donc à tout à l'heure. We'll be right back.